Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que la Bible, qui a été écrite il y a près de 2000 ans, a quelque chose à nous dire au sujet de la crise climatique que nous connaissons aujourd'hui? Pour réagir sur ce thème, j'ai sollicité Aurélien Bloch, qui est ancien éducateur à l'environnement, aujourd'hui conférencier spécialisé autour des questions de la foi et de l'écologie, de nous apporter son éclairage sur cette question. Aurélien, la Bible parle-t-elle de cette crise que nous traversons aujourd'hui? Et toi, t'en penses quoi? Alors c'est vrai que certains d'entre vous pensent peut-être que la Bible c'est maintenant un livre ancien, que c'est un peu has-been de le lire, que la Bible n'est pas concernée par les grandes questions de notre époque. Et pourtant, la Bible a encore beaucoup de choses à nous enseigner à la fois sur le cœur de l'homme et sur le monde dans lequel on vit. C'est vrai en ce qui concerne l'écologie qu'à l'époque où la Bible a été écrite, la problématique écologique ne se faisait pas encore ressentir. L'homme n'était pas une menace pour la nature à l'époque, c'était même plutôt l'inverse. C'était l'homme qui se sentait bien petit et bien fragile devant les éléments déchaînés de la nature. Platon nous parle d'ailleurs des cités construites par les hommes comme des refuges que l'homme construisait pour se protéger à la fois contre la violence des êtres humains qui étaient dans un système de vengeance, de vendetta, mais aussi comme de cités remparts contre la violence de la nature, des animaux sauvages, notamment. Aujourd'hui, on est vraiment arrivé dans un paradigme inverse, à savoir que la puissance technique de l'homme est comme libérée, elle est comme déchaînée, comme les éléments de la nature peuvent l'être. Et cette puissance technique de l'homme qui a été libérée, va jusqu'à menacer l'homme lui-même. C'est ce que dit le penseur juif Antionas, qui est un des pères de l'écologie moderne, et il nous parle du dieu Prométhée. Vous connaissez le dieu Prométhée? Ben, c'est le dieu des arts et de la technique, et de la ruse, en fait, chez les Grecs, dans la mythologie grecque. Alors, pour la petite histoire, Prométhée, c'était ce dieu grec qui avait été puni par Zeus, le père des dieux et des hommes, pour pouvoir avoir donné le feu aux hommes. Et ce feu, ça représente l'intelligence technique de l'être humain. Ce que dit Antionas, c'est que Prométhée est déchaîné. À savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entrave à cette puissance technique de l'homme qui menace la nature et qui menace l'humain lui-même. Et le dernier rapport du groupe international des experts du climat, le GIEC, va tout à fait dans ce sens-là. Ce rapport nous montre à quel point l'appétit destructeur de l'homme menace le monde vivant. Alors notre planète est menacée, et si notre planète est menacée, c'est notre maison qui est menacée. Notre maison, c'est la planète Terre, et elle brûle. On le voit avec ces grands incendies qui ont ravagé la planète, on pense à l'Australie. On le voit aussi avec les grands équilibres qui sont perturbés, les océans s'acidifient, ils deviennent stériles, la banquise fond, la salinité des océans est modifiée. Les grands équilibres comme le Gulf Stream pourraient être perturbés, ce qui aurait un impact global de dérèglement climatique. Alors les grands sols gelés du Grand Nord, comme le pergélisol, fondent et ça libère une très grande quantité de méthane, qui est un gaz qui a un impact très puissant sur l'effet de serre. Donc on a comme un espèce de cercle vicieux, un cercle vicieux infernal qui s'amplifie. Les catastrophes se multiplient aussi. On peut penser aux raz-de-marée, aux cyclones, aux sécheresses, aux inondations. Et si le niveau des eaux de la mer monte à cause de la fonte des glaces, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les zones littorales étant très peuplées, eh bien, il va y avoir des vagues de réfugiés climatiques qui vont s'ajouter aux vagues de réfugiés de guerre que nous observons déjà aujourd'hui. Alors que faire? Comment arrêter cet appétit destructeur de l'être humain qui consomme et qui consume toutes les ressources de notre planète? Que ce soit les ressources en biodiversité, donc en vivant, les espèces naturelles, ou que ce soit les ressources en énergie. On pense notamment au pétrole et on sait qu'on n'en a plus pour très longtemps. Merci Aurélien pour ces premiers éléments, mais est-ce que justement la Bible parle de cette menace que l'homme représente pour la nature? Eh bien, contre toute attente, oui, la Bible parle de cette menace que l'homme représente pour la planète. On peut lire dans la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens de l'église de Rome, donc au chapitre 8, que, il y a un profond gémissement qui monte de toutes les créatures. C'est comme une sorte de douleur de l'enfantement
qui annonce l'arrivée un jour d'un monde nouveau. Et c'est dans une sorte de soupir universel que toute la planète Terre gémit. Voilà ce dont parle ce texte. Et cela bien des années avant le dernier rapport du GIEC, donc ce groupe d'experts de climat international. Alors que dit ce texte de Romains 8? Je vais vous lire un petit extrait, c'est assez poétique, mais c'est aussi assez poignant et assez beau comme texte, alors ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, une profonde nostalgie étreint toutes les créatures. Toute la création attend, avec un ardent désir, l'arrivée de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Car jusqu'à ce jour, la création est livrée au pouvoir du néant. Tout dépérit et se meurt. La nature n'est pour rien dans cet état de choses. C'est contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, l'être humain, qu'elle vit ces choses. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de la mort. La tyrannie des perpétuels changements et des décadences inéluctables cessera, et elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront un jour. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Oui, tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Merci pour la lecture de ce texte, mais pourrais-tu nous expliquer ce que cela veut dire? Alors voici une courte explication, un résumé de ce que ce texte veut nous dire. Alors ce texte nous dit que celui qui a soumis la création à sa propre cupidité, eh bien c'est l'être humain. C'est lui qui a livré la planète à l'esclavage des puissances de la mort et du néant. La planète, c'est comme la maison que nous habitons. Et nous, un peu comme des pompiers pyromanes, eh bien, on met le feu à la maison. Alors, les humains sont pourtant ceux à qui Dieu avait confié une grande responsabilité, à savoir l'intendance de cette maison de la création. Et pourtant, nous sommes devenus fous, nous avons mis le feu à la maison. Alors, ce qu'annonce ce texte aussi, c'est qu'une délivrance va venir, une délivrance pour les créatures, mais elle ne viendra qu'à une seule condition. Il faut que les humains qui ont failli soient eux-mêmes transformés par Dieu. Alors, toutes les créatures de ce monde aujourd'hui soupirent, mais nous aussi, nous soupirons au plus profond de notre être. Car le monde n'a pas été créé pour le mal, pour la maladie et pour la mort. Et nous non plus, nous n'avons pas été câblé pour cela, le mal, la maladie et la mort. Mais c'est notre rébellion contre Dieu qui a entraîné le monde dans cette déchéance, dans cette décadence. C'est notre désir égoïste de vivre notre vie sans Dieu et de construire notre bonheur sans lui qui ont tout gâché. Mais il y a quand même une note d'espoir dans ce texte, savoir que ce monde sera transformé par celui qui l'a créé, parce qu'il en a le pouvoir. Et nous aussi, nous qui soupirons aujourd'hui, nous pouvons être transformés par Dieu si nous plaçons en lui notre espérance et toute notre confiance. Merci Aurélien pour ces premiers éléments de réponse. Si vous êtes intéressé par ce sujet, eh bien je vous donne rendez-vous au Café Change où je vous invite à suivre les autres interventions d'Aurélien qu'on aura dans les prochaines semaines. À très bientôt.